Salut à tous, bienvenue sur Grace TV, c'est l'émission Grace Honor présentée par moi-même. Et comme d'habitude, je suis accompagné d'un invité. Je suis aujourd'hui accompagné de Monsieur Kondo. Kondo, comment tu vas? Ça va bien, ça me fait plaisir d'être là. C'est moi. Je te suis. Si tu me suis tellement, est-ce que tu te souviens la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand? Même pas. Moi, je veux dire, c'était en 2016 pour la sortie de l'album Infamous. Ah putain. T'avais fait le déplacement jusqu'à Grigny. C'est vrai. Ouais. Et tu m'avais offert un vinyle ce jour-là. Et je t'en ai ramené encore un. Tu vois ou pas? Bien sûr. Ça date. Ouais, ça fait au moins 5 ans. Ouais. Ouais. Et pendant 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Alors pendant 5 ans, j'ai dû accepter de mourir. C'est-à-dire qu'en gros, je suis quelqu'un d'assez hyperactif. Ouais. Et en gros, musicalement, j'avais besoin de me poser pour réfléchir à comment je voulais vieillir dans le rap. D'accord. Donc tu me connais, je fais beaucoup de projets pédagogiques, artistiques. Je me suis posé pendant 3 ans au conservatoire de Cergy-Pontoise en résidence artistique. Et donc là, j'ai écrit un nouvel album que je t'ai ramené. Tu connais toi-même, tu sais. Voilà. Un nouveau vinyle dans ta collection. Voilà. Mon cadeau à moi. Vous n'avez pas l'impression pour l'avoir, mais moi, je l'ai déjà. Voilà. Donc j'ai bossé 3 ans sur ce projet-là avec Laurent Colombani et toute une équipe, 25 personnes. Et en même temps, ça me permettait d'être plus impliqué dans ma vie parentale. En 2012, naissait ma fille Ayo, et puis s'en est suivi une séparation vers 2017. Et puis après, le temps de se remettre de toutes ces histoires sentimentales qui nous prennent beaucoup d'énergie et travailler, se remettre à neuf, il a fallu que je mette en tout cas l'hyperactivité scénique que j'avais un peu à distance, sachant que je faisais quand même beaucoup de choses. Mais pour revenir à ce projet-là, là, il y a une histoire autour de ce projet qui est très importante. C'est la plus importante. C'est plus important que ce projet-là et c'est même plus important que mon nom. Ah ouais, c'est... Bah, je te laisse l'expliquer. Plus haut que la Tour Eiffel, ça part du moment où je souhaite rencontrer mon père, que j'ai pas vu depuis l'âge de 18 ans, et... En demandant à ma mère et mon oncle un peu comment je peux le contacter, je me retrouve face à ce qu'on appelle les clivages familiaux. Mmh. Et donc, je me mets à chercher mon père sur Internet parce que je savais qu'il était auteur d'un livre d'économie, que c'était un économiste réputé. Et au lieu de tomber sur lui, sa maison d'édition, et je tombe sur en fait mon beau-frère. Que j'appelle simplement mon frère, parce que chez nous, il n'y a pas de beau-frère qui tienne, tu sais, qui m'avait envoyé un message Twitter un an auparavant, en me laissant ses coordonnées téléphoniques, et en 15 minutes, comme je dis, des fois, tu lances des questions à l'univers, et si tu es à l'écoute, voilà, j'ai envie de dire, on va dire les choses simplement, Dieu te répond, ou la vie te répond, chacun met ce qu'il veut, mais voilà, moi, on m'a répondu, j'ai téléphoné, et je suis tombé sur ce frère... qui m'a raconté son périple, son histoire, et je me disais, mais comment, en étant lui et moi issus du même père, on avait pu avoir des histoires si différentes, sachant que lui, c'était mon aîné. Ouais. Donc en fait, pour moi, c'était presque lui qui aurait dû être en France et moi au Bénin. Ouais. Et en fait, ça s'est inversé, et finalement, j'ai eu envie, en discutant de mon histoire, de l'histoire de mon frère avec une grande amie qui est comme une cousine pour moi, en évoquant ça, on s'est dit, mais nos parents, ils ont des histoires de vie, sont des aventures, sont des périples. Et ce qu'ils visent, c'était la Tour Eiffel. Parce qu'on a un tonton qui disait, non, mais on est venu en France pour se mesurer à la Tour Eiffel, tu vois. Et je me suis dit, non, mais ça, c'est une idée qui est trop forte pour qu'elle soit qu'une discussion. Donc j'ai commencé à écrire. Même cette phrase, se mesurer à la Tour Eiffel, elle est forte. Elle est grande, cette phrase, elle est vraiment grande. Elle est forte, tu vois. En fait, bon, je spoil un peu, moi j'écoutais Driver, featuring. Je lui ai envoyé un message d'ailleurs à mon père direct tout de suite après. Et on apprend des trucs de ouf en fait sur toi. Moi je savais pas que t'habitais dans le même bâtiment que Zoxy, que tout ça, on en apprend beaucoup sur toi. C'est vrai. T'es resté, on peut pas dire. T'as mis ça de côté en fait, c'est des trucs que t'as jamais mis en avant. En fait, il y a deux choses quand tu fais de la musique. Tu as le savoir-faire et tu as le faire savoir. Donc, moi, je me suis beaucoup concentré sur mon savoir-faire. Ouais.
Et donc, je n'ai pas toujours été le gars de l'autopromotion, le gars qui se met en avant, etc. Et bien qu'on me l'ait on me l'ait demandé plusieurs fois, hein, faire un livre sur ce que je peux, sur ce que j'ai pu vivre et tout, pour moi, c'était plus important de vivre les choses et de laisser les choses arriver. Et tu vois, regarde, c'est la bonne heure. Tu as vu, maintenant, tu entends parler de mon histoire, de mon aventure, etc. C'est donc que c'est le moment, tu vois. Et moi, quand. Voilà, mon aventure artistique, elle suit un chemin qui est simple. Tous mes potes qui ont commencé le rap avec moi, ce qu'ils voulaient, c'est être riches. Moi, ce que je voulais, c'est être heureux. Tu Il y a une vois? grande différence. Et c'est pas pareil. Parce que je suis toujours en quête de ça. Comment je fais pour être bien dans ma peau, bien dans ma vie, bien dans ma tête? Voilà, il faut savoir que c'est pas toujours facile. Hein. Je fais partie de ces artistes qui ont découvert récemment, enfin tu vois, j'ai connu récemment ce qu'on appelle la dépression nerveuse. Et c'est une maladie, tu vois? Et je savais pas qu'on pouvait être infecté. Tu vois, des choses comme ça. Donc, même si des fois tu es là, tu es joyeux et tout, mais il y a des moments, tu vois, tu prends la vie dans la face. Et donc, moi, j'aime bien cette question, comment je fais pour être bien, heureux, pour être en paix, et puis pour faire une musique qui me représente. C'est quoi une dépression nerveuse? Une dépression nerveuse, en fait, c'est surtout un état. C'est-à-dire que c'est un état dans lequel, par exemple, tu vois, quand tu es dans une montagne, dans les montagnes russes, quand tu as ton corps qui descend et ton cœur qui remonte. Ça, c'est le genre de truc qui m'est arrivé, c'est-à-dire que tu as ce qu'on appelle des crises d'angoisse. Et c'est marrant parce que c'est pas la musique qui a provoqué ça, c'est pas le monde professionnel, c'est le monde familial. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent lié au fait qu'on projette sur toi quelque chose que tu n'es pas. Et tu as ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. Donc, c'est-à-dire qu'on te demande des fois de faire deux choses qui sont obligatoirement en opposition. Et d'autre part, tu as le fait de toi pas te reconnaître dans ce qu'on te raconte ou ce qu'on dit de toi. Et à un moment, tu as ce qu'on appelle, tu vrilles, tu comprends pas. Et ça peut te faire, ça peut te rendre fatigué. Par exemple, on parle très peu de ce mal-là. Moi, je l'ai pas profondément. Il y en a qui naissent avec ça. Moi, je l'ai aperçu ce truc-là et je me suis dit, purée. Je l'ai beaucoup vu dans le monde artistique. Faut que les artistes, tous ceux qui font de la musique, qui sont confrontés à des très gros enjeux, soient très vigilants, ce truc-là. Certains appellent ça les burn-out et tout, mais ça, voilà. Je croyais que c'était loin de moi, et un jour, ça m'a surpris. J'ai fait, OK, faut faire gaffe, quoi. Et comment tu t'en sors de ça? Alors, il y a un truc qui est pas de chez nous à la base. Avant, il y avait la famille, avant, il y avait les grands-parents, les cousins, les oncles. Le fait de parler, comme on dit, quand tu partages ton mal, tu es à moitié guéri. Tu avais d'autres trucs aussi, tu vois, au pays, sors, danse, prends des douches froides. Ça, c'est des remèdes de base. Mais tu as un autre que truc. Là, il y a un moment, tu peux être fort, tu peux connaître toute la médecine. Si tu es au sommet de l'Himalaya et que tu te casses la jambe, tu peux pas t'opérer toi-même. Donc, va voir un spécialiste. Là, il faut aller voir un psychologue, discuter et voir comment tu peux faire en sorte, tu vois, quand tu vas chez le médecin, tu as une grippe et tout, bah, imagine que tu as une grippe de l'âme. Tu Dieu. vois, voilà. Et donc, effectivement, la prière, mais aussi, tu vois, faire en sorte ta psyché, tu vois, c'est un truc, c'est intéressant de travailler avec d'autres gens qui te donnent des clés pour sortir de ces états, quoi. Mais est-ce que la musique t'aide, toi, par rapport, t'a aidé par rapport à ça? Alors, comme je t'ai dit, ce n'est pas un mal courant et récurrent. Mais une chose est sûre, l'expression, le fait de raconter, rapper, tu vois que je te parlais d'aller danser et tout ça, bah, le fait d'aller rapper, le fait d'aller devant un public et aussi d'avoir la chance d'être chargé par le public, ça te rend plus fort et donc effectivement, ça te soigne. C'est bon ce que tu dis. On va revenir un peu sur ce projet. Tu t'es mis dans la peau de Manga, qui est un de tes meilleurs amis. Mais comment tu as développé ce projet-là? C'est-à-dire, tu parles de traverser les continents. Comment tu l'as développé? Il y a deux aspects dans Plus haut que la Tour Eiffel. Il y a un aspect qui est purement musical. C'est-à-dire que il y a le fait de tu mets le casque sur les oreilles et tu pars
pars du Bénin, tu pars de la musique de Fela, tu pars de la musique d'un hip-hop qui est teinté de la musique des années 70. Ensuite, tu commences, tu prends le voyage, tu as les percussions du Bénin, tu as les percussions mandingues, tu as les percussions yoruba. Après, tu arrives au Mali. Une fois que tu arrives au Mali, tu commences à te rapprocher du Maroc, tu commences à voir l'arrivée du oud. Le oud, ça t'emmène sur la guitare espagnole. Mmh. Tu traverses la Manche et là, tu arrives en France. Et en France, tu arrives à Gare du Nord, tu commences à ressentir le boom bap, tu ressens les énergies de ouf. Après, tu ressens la trappe. Et après, tu arrives maintenant, tu vois. Ouais. Alors pour moi, c'était une façon de dire, tu sais, comme je te dis, dans le faire savoir, je suis pas un gars qui est dans les démonstrations de style, dire regarde où j'en suis après 30 ans de rap. Non, 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 je me suis dit, voilà, déjà rien qu'avec la musique, cette musique-là, je vais pouvoir raconter où est-ce que j'en suis musicalement. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est anecdotique. Ouais. Réellement, après, il y a tout le travail d'écriture, c'est-à-dire, il était important pour moi de raconter l'histoire de ma mère, de mon frère, de mon père, de mes oncles, de mes tantes. Et je ne pouvais pas raconter toutes ces histoires-là de manière éparse, donc je me suis dit, si je prenais un personnage et je lui mettais toutes ces histoires-là, et donc mon histoire, c'est-à-dire où j'ai grandi, quand je parle du Bénin, quand je parle de Ouida, quand je parle de Cotonou, eh ben, j'y étais pas allé depuis 40 ans, mais tout était encore en moi. Et donc, quand j'ai écrit ça, j'ai fait écouter ça à d'autres potes, d'autres compatriotes béninois. Et j'ai un pote qui est net, c'est un saxophoniste et tout. Il me dit, mais quand est-ce que tu es allé au pays? Et je lui dis, bah là, j'y vais au mois de septembre, là, et tout. Mais non, mais il me dit, quand est-ce que tu es allé au pays? Je lui dis, il y a 40 ans. Il me dit, pardon? Et il me dit, mais t'as raconté le chemin que je fais quand je fais mon jogging et tout. Et je peux pas t'expliquer. Il y a des fois, quand tu es animé encore par des bonnes intentions, les ancêtres, ils viennent et posent la main sur ton épaule, ils disent « c'est le bon chemin ». Et pourquoi tu as mis 40 ans dans ton pays? Parce que c'est... Je sais pas si tu as connu ça, mais dans les situations de divorce, les oppositions, dans les deux familles, tu vois. Et donc ça, c'était un problème, en fait, chez moi. La dernière fois que je voulais aller au Bénin, je devais avoir 30-35 ans, j'en ai parlé à ma mère, elle a fait une crise de tachycardie, tu vois. D'accord. Donc à un moment, j'ai fait, bon, écoute, c'est pas si primordial que ça. Mmh. Et puis à un moment, quand ça s'est vraiment présenté comme étant primordial pour moi, là, je me suis dit, non, on prend un billet d'avion, on fait les choses, on reste, comme on appelle ça, low profile, et on fait les choses. Tu vois, le titre 17 amants à la dérive, ouais. Quand je l'écoute, je me mets dans une situation où je dis que nos parents sont venus en France pour nous apporter une vie meilleure. Mais aujourd'hui, les petits qui sont nés en France, qui ont grandi en France, ne connaissent pas l'Afrique. Non. Ils ne savent pas la chance qu'ils ont d'être nés en France. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie de dire. En fait, par exemple, nous les Africains, on ne nous définit pas par rapport à notre continent de naissance, on ne définit pas par rapport à une géographie, on nous définit par rapport à une couleur. On est la seule dite race, puisque c'est comme ça. Mmh. Alors, quand on utilise le mot race, ça veut dire qu'on appartient à une pensée qui s'appelle le racisme. Mmh. C'est-à-dire que c'est le fait de voir le monde par le biais de la race, sachant qu'il n'y a pas de race, en fait, pour les humains. Mais on va parler maintenant, on va parler de derme, tu vois. Donc, le truc, c'est que regarde, on parle des Asiatiques, on parle des Européens, on parle des Américains, mais pour les Africains, on ne dit pas les Africains, on dit les Noirs. Ouais. Alors déjà, c'est la première des choses. Déjà, c'est se réapproprier le langage, disons africain. Donc si déjà on disait plus souvent à nos petits, vous les Africains, ou t'es Africain, déjà on se sentirait Africain. Ouais. Voilà. Mais le mec va te répondre, non, je ne suis pas Africain, je suis Français. Eh ben, si t'as la peau, si t'es mélanoderme et que t'as de l'épiderme qui te donne une peau au moins marron, bah t'es Africain. Parce que c'est-à-dire que ton origine est là-bas. Après, moi je suis Africain, citoyen français, il n'y a aucun problème. Oui, parce que j'ai regardé une vidéo dernièrement d'un député qui disait que lui, il était français. Il a été qu'une semaine dans sa vie en Afrique. Ouais. Mais il n'empêche que culturellement, il doit savoir ce que c'est, en fonction de sa génération, ce que c'est le fer à défriser les cheveux, l'odeur que ça a. Il doit savoir ce que c'est le foufon. Tu vois, il doit savoir ce que c'est, peut-être le mafé, peut-être que, tu vois, la kassa, le maoué, tous ces trucs-là, en fait, c'est culturel. Donc, on n'est pas obligé de s'opposer.
Je veux dire que tu peux être français et venir du Périgord. Mmh. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi tu l'as divisé en quatre actes? Parce que c'est une histoire. Et parce qu'il faut les manger, ces quatre actes. Attends, je fais 60 minutes. 60 minutes. Aujourd'hui, c'est... Ce que j'ai fait, c'est atypique parce que... aujourd'hui, on est dans les singles. Ouais. Donc, faut que les morceaux ils défilent en 2 minutes 50, 2 minutes 30. Moi, là, j'ai osé prendre le pari de faire un disque qui peut presque être considéré comme un podcast. Tu vois ce que je veux dire? que voilà, faut que tu prennes le temps pour le manger parce que j'ai décidé de faire de la grande musique. Et je dis « je »,« on ». En fait, c'est Laurent Colombani et moi, on a décidé de faire de la grande musique. Et lui, c'est un guitariste de jazz qui est de blues, il aime beaucoup l'orchestration, et il croit en cette musique-là. Ouais. Et moi, j'y crois aussi. Et donc, en fait, on est arrivé à un moment de maturité artistique où lui et moi, on avait envie de dire, bon, et si on montrait, comme on l'a toujours fait, hein, que le rap, ça peut être de la grande musique, et de la grande musique africaine. Mm. Et bien, on l'a fait. Et j'ai l'impression que toi, c'est pas un combat, mais t'as toujours, tu veux te démarquer, pas faire comme tout le monde, en fait. Ouais, mais il y a des gars comme ça. Ouais. Toi aussi, non? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On est animé. Quand t'es animé, t'as ce truc-là où c'est plus fort que toi. Mais par exemple, quand on voit Kondo, Kondo de la Tika, Kondo de. J'ai oublié le nom du groupe. Velvet Club. Avec Ego Size. Ah, Coup d'État Phonique. Coup d'État Phonique. Et on voit le compte, tu disais dans Futurum d'ailleurs, qu'un journaliste t'avait cassé par rapport à un concert parce que l'image qu'il avait de Kondo, c'était pas l'image du Kondo qu'il voyait sur scène. Ouais. En fait, quand on connaît le Kondo du début et on le voit aujourd'hui, il y a un chemin qui... Il y a un parcours. Merci. Merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du travail. Ouais. Et ça, c'est... Mais tu sais, c'est un truc mais qu'on le oublie. Travail, c'est... Le travail, ce que je veux dire par là, c'est pas un travail comme... Tu vois, il y a des rappeurs qui sont sortis 5, 7, 8 albums où c'est toujours le même truc, tu vois. Ouais. Alors que toi, c'est ça. Pour arriver au même but. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ça s'appelle cheminer, avoir du cheminement. Et t'avais deux optiques, en fait, ceux qui ont la chance de faire 6, 8, 10 albums sur 2, 3 flows qui vont tout droit, c'est qu'ils ont eu le succès tôt, et donc ils ont une formule qui marche tôt, qui a été vite repérée. Moi, j'ai vite compris que ceux qui décidaient de la bonne ou la mauvaise formule, ils n'allaient pas comprendre ce que j'allais faire. Tu vois, quand j'ai commencé à faire 2, 3 rendez-vous maison de disques, j'ai compris que j'allais pas me développer, j'allais pas m'épanouir dans ce monde-là. Parce que ça allait me demander de trop me trahir. D'accord. C'est-à-dire que l'endroit où j'étais quand j'avais 25 ans, en termes de rigueur intellectuelle, morale, mentale, ça matchait pas avec le rap game. Tu vois. Et donc, par contre, moi, j'ai décidé de grandir avec le rap, et le rap m'a aidé. C'est-à-dire que c'est le rap qui m'a emmené faire le tour des prisons pendant 8 ans, tu vois, avec Intramuros. Mmh. C'est le rap qui m'a emmené dans les quatre coins du monde, États-Unis, France, Suisse, Belgique, Allemagne, Pologne même, tu vois ce que je veux dire. Donc, je me suis dit, écoute, si tu sais un peu lire la vie, peut-être on sera pas tous des nignots, tu vois ce que je veux dire, mais peut-être que tu peux kiffer ta vie de rappeur. Est-ce que quand tu fais des ateliers d'écriture, par exemple, avec des jeunes, est-ce qu'ils connaissent ton histoire? Est-ce que tu leur parles de ton histoire, de ton parcours? Alors, quand t'es quelqu'un, ouais, et que t'es connu ou reconnu, pour un jeune, t'es ce qu'on appelle un plugin. Ça veut dire qu'en fait, t'es juste un outil. Ouais. Donc, t'as des jeunes qui sont curieux de ton histoire, et tu leur racontes. Et t'en as d'autres qui sont pas là pour ça, qui sont là pour juste acquérir un savoir-faire. Mmh. Moi, comme je dis souvent, tu vois, j'essaye de, quand je faisais des ateliers, j'essaye de pas être écrasant, donc j'essaye de dire, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être des outils à ta disposition,
et on les partage. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quand à la fin de l'atelier, on se rend compte qu'on a des trucs à se dire. Et surtout, quand ils voient tonton, là, kicker, trap, boom bap, drill, kicker, tout ça, ils font « Oh !» Et tu sais, moi, ça me rappelle quand je voyais mes tontons, je disais « Putain, le gars est frais !» Et au-delà de ça, ça nous permet d'échanger. Donc aujourd'hui, tu vois, j'en ai eu plein de petits qui sont devenus grands hein, depuis. Hein, tu vois, donc quand je les vois dans leur carrière, dans leur stature et tout, ouais, je suis content pour eux. Est-ce que tu as toujours ce respect-là ? Non. Non, pas toujours, parce que je crois que le succès est pour y être passé. Hein. Ça te donne de l'arrogance. D'accord. Et l'arrogance, c'est ce que j'expliquais, ça te fait souvent oublier d'où tu viens. Ça te fait souvent oublier qui a fait quoi pour toi. Et souvent, d'ailleurs, mes petits devenus grands, c'est pas moi qui cite. Pourtant, j'ai passé des heures à côté d'eux et tout, dire non, mais tu vois, l'écriture, machin, truc. Ça, c'est la première erreur peut-être que tu as faite. Voilà, moi, c'est la première erreur que j'ai faite. Et un jour... Et j'ai arrêté de faire cette erreur-là, mais voilà, je l'ai vécu et je me suis... Et en fait, ça s'appelle « tuer le père ». Tu n'as pas envie de reconnaître quelqu'un qui t'a donné beaucoup, parce que tu as l'impression que tu lui dois ta carrière ou ta vie, mais alors qu'en fait, c'est pas du tout. Ouais. C'est la meilleure façon justement de... Tu sais, quand à un moment, quand j'ai fait ce disque-là, c'est la première fois de ma vie que je me suis senti... C'est pas la première fois, parce que sans ce que je fais, je me sens plutôt en paix. Ouais. Mais j'ai senti que... Je suis appuyé de la force de mes anciens, de mes ancêtres. C'est-à-dire que mon oncle est derrière, ma tante est derrière, mes cousins sont derrière, ma famille est derrière moi, et j'ai même un pays qui est derrière moi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça, ça n'a pas de prix. Ouais. Ça n'a pas de prix. Et en fait, quand tu te coupes de tes grands, de tes anciens, parce qu'on dit ancien, mais ancêtre, c'est ton ancien. C'est juste jusqu'à quel niveau t'es ancien, mais en fait, quand tu te coupes de tes ancêtres, tu te coupes de ta puissance. Ouais. Par contre, quand tu marches avec eux, t'imagines, tu vois, regarde, imagine tes 50 Cent, derrière toi, il y a J Master J, il y a Dre, il y a Nas, il y a, tu vois. Mais tu vois, 50 Cent, peut-être que je me trompe, mais j'ai jamais, tu le dis dans le featuring, il a toujours big up J Master J. Voilà. Même à l'heure d'aujourd'hui, quand on parle d'Eminem, il big up toujours Eminem. Voilà. Et ça, c'est un problème dans le rap français, c'est typiquement français. C'est qu'on a du mal à donner ses fleurs à l'autre. Bah, et je vais te dire, c'est même pas lié au rap, c'est lié à la culture française. Parce que tu sais, on est dans la culture du roi Louis XIV. Parce que quand tu regardes bien dans la variété française, ouais, ils n'ont aucun mal à dire que Johnny Hallyday, c'était le meilleur, c'était ceci, cela. Et ça, ils l'ont fait de son vivant. Est-ce que Johnny, il a raconté ses influences et tout? Je ne suis pas fan de Johnny, tu vois. Mais assez peu, quoi, tu vois. Je connais Johnny comme tout le monde connaît Johnny, donc je ne me suis jamais penché sur ces trucs. Mais... Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment lié... parce qu'en fait, je trouve qu'on est dans un pays où on est capable de... Regarde, moi l'expression qui me caractérise le plus, c'est « What you eat and make me shit ». Ce que tu manges, ça me fait pas chier. Ça veut dire que je préfère manger à plusieurs sur la table, tu vois, et qu'on ait une plus grande table, plutôt que manger tout seul et regarder les autres crever la dalle. Moi, ça me gêne. Une affaire d'éducation. Ouais. Et quand on saura faire ça, dire écoute, mon frère il avance, vas-y, je suis derrière. Sa force, c'est aussi ma force. Ouais. Et quand c'est toi, et que en fait ça tourne, moi je pense aux tontines, tu vois ce que je veux dire? Les tontines, c'est ça, hein, c'est on cotise un peu. Les tontines, ça se fait plus. C'est vrai? Ah, moi aussi, j'ai connu quelques commerces là que se sont montés avec les tontines, c'est pas mal. Hein. De notre génération de. Ouais. Ah, wow. C'est quand même le, ça, c'est un système ancestral de distribution de la réussite. Nos darons et nos darons l'ont fait. Nous, on a essayé, dans mon équipe, on a essayé, mais c'est pas tenable, c'est pas viable. Parce que. T'es pas sûr que l'autre, une fois qu'il a pris sa part, il revienne pour... Et tu vois, cette pensée du doute, la perte de confiance, ça, c'est un truc, faut qu'on bosse dessus. Ouais. Faut qu'on bosse dessus. Moi, je crois même qu'il y a des fois, faut accepter de perdre. La vraie question, c'est combien?
T'en as perdu pas mal, toi. Moi, j'ai perdu de l'argent, gars. Ouais. Mais si j'avais pas perdu de l'argent, j'en aurais pas gagné. Tu vois? Moi, j'ai toujours dit, okay, je perds de l'argent là, c'est une leçon, c'est... J'ai appris quelque chose. Qu'est-ce que tu apprends? Après, je fais pas deux fois la même erreur. Ouais. Et en plus, au-delà même de ça, souvent, quand je suis serein, je repose ma question à l'univers, j'ai une réponse. Ouais. J'ai une réponse. Je me souviens, quand je montais Menace Records avec Baïès, ouais. Je perdais 17 000 balles. Un an après, j'en gagnais 25. Tu comprends? Alors peut-être que ça m'aurait fait plus, mais tu vois? De toute ta carrière, est-ce que tu as eu des regrets sur certains choix que tu as fait? Alors, oui, tu as des regrets parce qu'il y a des choses, il y a des souffrances que tu aurais aimé éviter, mais en fait, si tu acceptes tes douleurs, tu acceptes ta progression. Donc, moi, j'aime beaucoup cette phrase de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, j'apprends. » Et voilà, moi, je suis parti de ces gens-là, je me dis « Ok, j'ai mal, la douleur fait partie du processus de progression, donc j'apprends. » Et quand tu vois, par exemple, tous les gens à qui tu as donné une force, en qui tu as cru, qui sont au sommet, et toi, t'es ce que tu es aujourd'hui. Alors ça, c'est super important. Ce dont on parle là, c'est la place de ton ego. Parfois, ton ego te joue des tours. Donc, parfois, tu peux être amené à être dégoûté, déçu, parce que tu estimes que tu n'as pas ce que tu mérites d'avoir. Mais quand tu commences à creuser un peu, tu te dis, mais qu'est-ce que tu as fait vraiment pour être là où tu voudrais être? Est-ce que tu es prêt à faire tous les sacrifices que l'autre a fait pour être là où il est? Par exemple, tu vois, je parle de ce moment-là où je sors de la station Étoile, je tombe sur la Lamborghini de Booba et je vois sa Lamborghini Uncut et je me dis, ouais, voilà, ayant démarré dans mon groupe, son niveau de réussite, tu vois, je me dis, waouh, ouais, je suis impressionné. Et moi, j'ai l'impression, tu vois, que mon niveau de réussite, il était beaucoup plus faible. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a une question qui me venait, mais Kondo, est-ce que tu aurais été prêt à aller en prison pour ça? Est-ce que tu aurais été prêt à ce que ta mère, ta sœur soient kidnappées pour ça? Est-ce que tu aurais été prêt à attirer autant de colère, même s'il a beaucoup d'amour en retour? Tu vois, c'est le genre de question que tu dis. Et en fait, si tu es honnête avec toi-même, tu dis, ah non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt à vivre toujours dans le stress, je suis pas prêt à ça, la vérité. Il y a de l'argent qui coûte cher, tu vois ce que je veux dire? Il y a de l'argent qui coûte cher, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour obtenir de l'argent? Ouf, tu vois, moi, je préfère la réussite personnelle, être en phase avec ma pensée, être honnête, voilà, être dans la vérité. C'est pas facile comme chemin. Mais quand il y est, t'es bien. Et une autre chose qui me vient à l'esprit quand je parle de Kondo, c'est qu'on te rappelle toujours l'époque de la Clica. Mais à mon souvenir, la Clica, c'est qu'un seul projet. Kondo, la Clica, c'est 4 ans de ma vie. Kondo, c'est 30 ans de carrière. Est-ce que au bout d'un moment, franchement, c'est... Eh, vas-y, t'as vu, j'ai une carrière. Viens, on parle de ma carrière. Vas-y, viens, on parle de ma carrière. Non, je plaisante. Non, en fait, c'est y a un moment, tu vois, la Clica, c'est ton famille, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais. Donc, il y a un moment, il faut accepter que c'est ton famille. Après, ma carrière, c'est 30 ans. Voilà les choix que j'ai faits. J'ai pas fait des... Artistiquement, quand tout le monde était dans la trappe, moi, je revenais au boom-bap de qualité. Quand tout le monde était ultra ghetto, moi, j'étais dans l'approche du rap sentimental. Non, je suis à contre-courant. Ouais. Mais en fait, je fais juste une musique qui me ressemble. Et voilà. Et comme je te dis, si tu sais les fois que tu fais, tu regrettes rien. Ouais. Les gens ont pensé que je suis toujours là en train de jeter des fleurs à tout le monde, mais t'as une carrière assez construite, t'as pas mal de projets, Intramuros c'était super lourd,
T'as fait des. Tu tournes avec un band, avec des musiciens. Il y a à part toi et Oxmo. Si, alors déjà, il y a eu Hocus Pocus avant nous, même, Ouais. tu vois. Bon, après, moi, je parle des gens que Mais, j'écoute, ouais, tu voilà. vois, Mais que je suis. c'est vrai que moi, je fais partie de ces gens qui ont, comme je te dis, qui ont mis, artistiquement, qui ont mis la barre très haute. En flow, en texte, en production. Parce que beaucoup de gens oublient que je suis producteur de ça. Donc, je m'occupe du mixage, je m'occupe des réals, je m'occupe de l'arrangement, tout ça, quoi. Parce qu'en fait, il y a un moment, pour que les gens soient au courant de ça, il faut que tu aies une major, ou en tout cas, il faut que tu sois dans les gros labels. Même si tu es indé, il faut que tu aies un gros label derrière. Et à chaque fois que j'ai avec mes projets, t'as vu, c'est des dingueries quand même. Les gens, ils disent, mais non, c'est pas possible ton truc, tu peux pas, on peut pas. Mais t'arrives à faire du lourd tout seul. C'est ça. Et ça, c'est ma plus grande force et ma plus grande faiblesse. Ça veut dire que, en gros, si tu vas voir quelqu'un que t'arrives, toi-même t'en imposes. La personne dit, bah, t'as pas besoin de moi. Et donc, si cette personne-là sent que t'as pas besoin d'elle, elle peut pas te manipuler. Donc, conclusion, bah, t'es pas intéressant à signer. Parce que. Et après, au-delà de ça, c'est aussi que. Il y a un mot qui revient beaucoup quand t'es en maison de disque, ça s'appelle l'airplay. C'est-à-dire, comment ton morceau, il s'intègre dans la playlist globale mondiale. Alors là, vous pouvez écouter, hein. Il y a du airplay. Hein. Il y a du airplay. Là, j'ai pas blagué. Mais, tu vois, il n'y a pas que l'airplay. Il y a des trucs, faut le dire aussi, tu vois. On est dans une société où c'est important d'être good looking. Tu vois ce que je veux dire? D'être fin, d'être. Alors, c'est pour ça que je suis content quand y a les Da Baby, tout ça. Enfin, tu vois, voilà, des gars un peu choclo, là, qui arrivent aussi. Mais ouais, donc, faut vendre des disques, faut vendre de l'image, tout ça, c'est normal. Monde de l'image, je suis d'accord avec toi. Mais en Ricross, t'as vu, Ricross, on a vendu des albums. Hein. Et pourtant, c'est pas le mec le plus. Parce que ce que je crois, c'est que si en fait, la corpulence, ça peut être contrebalancé par la stature, mais c'est beaucoup de millions d'investissements. C'est-à-dire on a construit sur Rick Ross déjà par rapport à son nom, qui est volé sur un des plus grands parrains de la mafia, tu vois, de Miami et tout. On lui a fabriqué cette image-là. Et que c'est une image qui coûte pas rien, tu vois. En parallèle, je pourrais mettre SCH, tu vois, en France. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il s'est construit ce personnage de gangster très, très haute bourgeoisie, tu vois ce que je veux dire? Et ça a un prix, hein, ça a un prix tout ça. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est des projets de major ou de gros labels indés ou de gens qui ont un minimum de moyens, tu vois. J'aimerais que tu me répondes sincèrement à cette question-là. Pourquoi aujourd'hui tu n'es pas ADA dans une major? Est-ce que c'est moi qui peux répondre à cette question? C'est à toi que je la pose. Honnêtement, j'attends cette opportunité. Je serais ravi de le faire. Je serais ravi d'être dans une team de gens qui pensent l'avenir pour les jeunes rappeurs et rappeuses d'aujourd'hui, la nouvelle musique, quoi, parce que je la pratique, en fait. Donc non, j'attends que ça. Mais je dis toujours, la vie, elle est bien faite. Peut-être que c'est pas le moment pour moi. Pour l'instant, je suis encore un peu trop artiste. C'est-à-dire que dans pas longtemps, j'estime qu'il va falloir muer ou muter. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, je serais ravi de le faire. Parce que tu as côtoyé des gens à plusieurs époques qui sont aujourd'hui devenus des références. Donc quand on regarde ton parcours, tu arrives quand même à voir ou à mettre en valeur certaines personnes, Alors, les aider à acquérir la connaissance qui feront d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. dans le savoir-faire, je suis plutôt pas mal. Mais j'ai un poteau qui s'appelle Dead Cabal, qui est comment dire, un metteur en scène, qui inclut le hip-hop dans tout son art et toute sa culture. Et un jour, il vient me voir, il me fait, mais moi, je mise sur Niska, tu vois? Et moi, je disais, ouais, non, pas maintenant.
Et pareil, il était venu, il me dit, non mais moi, je mise sur Diams. Et en fait, je crois que j'ai eu longtemps une culture trop américaine pour avoir le bon pouls du marché, de la mentalité française et de la musique, du rap français. Il n'y a que depuis 5-6 ans que quelque part, j'ai dû updater mon logiciel et pour justement comprendre mieux ce qui se passe dans le rap game français. C'est une autre façon de penser le que truc. Donc quand tu dis ça, tu dois répondre à ma question, pourquoi t'es pas DA dans une... Voilà. Ah, parce que t'as... C'est peut-être ça, hein, t'es encore trop artiste en fait. Je suis encore trop artiste, je le suis beaucoup moins, mais j'étais... Et jusqu'à présent, j'étais trop artiste et trop américain dans ma manière de penser. Non, parce qu'américain, t'as vu, Jay-Z était encore artiste, mais ça l'empêche de dénicher des Rihanna, avec une équipe autour, bien évidemment. De dénicher des... Alors, développer les talents, dénicher par contre des gens qui ont un super talent et les faire émerger et progresser, ça, par contre, je suis excellent. Enfin, c'est vraiment mon truc. J'adore ça. Parce que, tu sais, il faut aimer les autres, il faut être à l'écoute, il faut comprendre le point de vue. Ça, je sais très bien faire. Donc, développer... Par exemple, moi, je suis plutôt le genre de gars qui serait très bon dans le développement d'artistes, même ce qu'on appelle aussi... pour les chefs de projet, des choses comme ça, chefs de projet et tout. Mais par contre, vraiment, ce qu'on appelle la détection, c'est-à-dire détecter quelqu'un qu'on va signer pour son attitude, pour sa façon d'être. Peut-être que je suis moins bon là-dedans. Ouais. Avec du recul, tu dis, putain, Niska, j'aurais dû écouter le mec. Ah, mais... Parce qu'en plus, Niska, il m'a eu. Non, mais vraiment, il fait partie de ces gens. Au départ, je disais, oh, pff, tu vois, sur PSG, je me disais, oh, non, ça ne me parlait pas. Mais quand il a commencé avec Rezo, là, mais même le morceau avec Gims, là, ça peut comme jamais, j'ai fait, évidemment. Ouais. Non, là, vraiment, il a eu mes props. Hein. Parce que même j'ai trouvé que c'est lui qui fait partie des gens qui ont changé mon logiciel. Lui, MHD, les gars des 4 queues, tu vois, j'ai fait, mais... J'aime trop... En fait, ils sont allés puiser dans ce que ce dont on parlait tout à l'heure, dans leurs racines, dans leurs sources, en fait. Ouais, mais il y a des gens qui l'ont fait avant. Oui, il y a Abisso qui avait fait avant. C'est les premiers pour moi. Bien sûr, on est d'accord. Bien sûr, Passy, le boulot de Passy là-dessus. Mais tu vois, quand Passy le faisait, j'étais loin, je captais pas son délire. Sérieusement ? Au début, non, je captais pas. C'est quand il y a eu le premier tube, j'ai fait, ah, d'accord. Mais vraiment, au départ... je comprenais pas parce que, et je sais pourquoi je comprenais pas, parce que Sarsal était tellement ailé. Ouais. Je disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es à ailé ou t'es au pays? Et en fait, c'est là où je me rends compte que là, ça s'appelle une maturité, tu vois. Cette maturité-là, je l'avais pas, et c'est normal, parce que c'est mon aîné de au moins 3-4 ans, tu vois. Ouais. Ça a l'air de rien, mais ça fait la diff à certains moments de vie. Quelle est la suite des projets après plus haut que la Tour Eiffel? C'est beaucoup déjà. Ouais. C'est tourné. Déjà, c'est... T'as mis combien de temps pour le faire? 3 ans, tu m'as dit. 3 ans. 3 ans. 3 ans, 1h, 60 minutes, 00 de musique. Tu vois, 4 actes, ça se joue sur scène. On joue ce projet-là à 17, à 5. Maintenant, parce qu'on est en phase promotionnelle, mais le but, c'est de revenir à 17 au moins 10. Mais la suite, donc déjà, quand à chaque fois que tu sors un 10, c'est tourné. Moi, mes projets, ils ont de la valeur que s'ils sont sur scène. Ouais. Je suis en train d'amorcer la suite de plus haut que la Tour Eiffel, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive à mon gars une fois qu'il est en France et qu'il se bat pour avoir ses papiers. Là, je bosse ça. J'ai envie de faire un album qui soit multi-artiste. Ouais. Donc, je vais inviter du beau monde. J'espère qu'ils répondront présent. Et voilà. Et puis après, voilà, le temps passe vite, donc je vais commencer à faire plus de projets collaboratifs. Okay. Voilà. Donc ça y est, j'ai envie de commencer à rapper de plus en plus avec la nouvelle génération, avec des gens qui ne sont pas du même horizon musical que moi.
Voilà, ça me ferait kiffer, justement. C'est des trucs improbables, mais tu vois, Kiki un sommort avec un Niska, avec un. Tu vois, avec un Diacola, ou. Tu vois, ça me ferait. C'est décalé, je pense pas qu'on soit dans le même creuset, mais c'est le genre de Ça ferait un truc truc. qui me ferait kiffer. Ouais. Tu vois? T'as été contacté par des associations par rapport à cet album? Alors, je travaille avec des associations. Avec ce projet-là, je travaille avec l'association SOS Méditerranée, je travaille avec les artistes en exil, l'atelier des artistes en exil, avec la Croix-Rouge, avec le Secours catholique, avec Ah, c'est pas le mal déjà. CADA, le CADA Tchel, entre autres. Donc oui, je travaille avec pas mal d'associations qui viennent en aide aux demandeurs d'asile, aux sans-papiers. Voilà quoi, j'inscris mon œuvre dans une démarche personnelle sociale. Et voilà, mais parce que je trouve que ma musique, j'aime la faire en donnant du sens, quoi. Et la base du rap. Revendiquer. Peut-être, je sais plus, parce que quand tu connais un peu l'histoire du rap, dans le rap, t'as eu dès le départ, t'as eu conscience, t'as eu ceux qui étaient dans le each one, et puis t'as eu ceux qui étaient dans le rap sex, enfin love sex and rap and roll, tu vois ce que je veux dire, drug sex and rap and roll, tu vois. Donc ça, c'était déjà là depuis le début. Voilà, chacun il met. Pourquoi tu fais de la musique, tu vois? Pourquoi tu fais de la musique? Donc, encore une fois, tu peux faire de la musique parce que tu veux de l'argent. Donc, c'est un outil pour toi. Parce que tu veux la réussite, parce que tu veux de la puissance. Moi, je fais de la musique parce que j'aime profondément la musique. Tu dis musique, mais pas rap. Ah, parce que le rap, pour moi, c'est le rap, c'est de la musique. C'est une évidence. J'aime le rap, j'aime la musique, j'aime le rap, j'aime la soul, j'aime le jazz, j'aime le Non, merengue. Tu vois? c'est plus forcément de la musique, le rap. Non, mais ce sera toujours de la musique. Par contre, c'est toujours la même chose. Il y a de la musique qui te fait du bien, et puis en fait, c'est une affaire de goût. C'est une affaire de goût. Et le goût, vraiment. Il n'y a rien à opposer au goût, tu vois. J'ai envie de dire, chacun son sale goût. Tu vois? Moi, il y a des trucs que je vais kiffer, tu vas dire, mais pourquoi t'écoutes ça, Kondo? Comme c'est quoi les derniers kiffs par exemple que t'as eu? Moi, je suis obligé de regarder mon téléphone. Je suis désolé, hein, mais. Ah, qu'est-ce que j'ai écouté? Parce que là, avec l'ère Spotify, l'ère Apple Music, machin, le streaming et tout ça, t'écoutes tellement de choses, tu sais même plus. Qu'est-ce que j'ai écouté récemment? Alors déjà, il y a mes playlists Spotify, je me fais plein de playlists, si jamais vous voulez les en checker, vous tapez Kondo là sur Spotify et sur Apple Music, je fais des playlists et tout. Ah bah tiens, il y a TT que j'ai écouté. Il y a Mos Def, une rappeuse, ouais, Qui est tout récent d'ailleurs. ouais, bon. Il y a une rappeuse qui s'appelle Esther, c'était une rappeuse que j'ai eue en atelier. Féfé, Saint-Lô, Gazo. Ouais, tu vois, tu passes du Tu côté vois ce que je veux quoi. dire? Kendrick Lamar. Voilà, tu as des trucs comme ça. Après, Meanan Street Band. Il y a qui? Voilà, D'Angelo, Abdal Malik. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, c'est varié. Oxmo, j'ai écouté quoi encore récemment? X-Men. Mais à part Gazo, il y a personne de la nouvelle génération, Si, si, Esther. dans la nouvelle génération. Tu vois, comme je te dis, il y a Gazo, il y a Tiakola, mais là, je l'ai pas, j'ai pas, là, dans les 2, 3 semaines qui sont passées, je n'ai pas écouté, mais si. Dans la nouvelle génération, il y a des trucs que j'aime bien. Et au niveau des featurings que tu as ramené sur le Yeah. projet, Ouais. Ah, bah ouais, il y a demi-fait, demi-portion. une portion, ouais. Je vois Carl The Voice directement. Carl The Voice. Carl The Voice, c'est la voix des refrains. C'est la. C'est mon frangin, tu vois, c'est vraiment le. C'est lui qui. En fait, quand je fais un projet, j'ai envie qu'il soit là parce que pour moi, c'est sa bénédiction. Tu sais, ça fait du bien. Tu sais, des fois, t'as envie de ce que tu fais, c'est des plats, tu as envie de les partager avec des gens que tu aimes. Ouais, lui, c'est un gars avec qui j'avais envie de partager. Pareil, Lisa Spada. De gens, on a aussi fait appel à des gens de chaque pays qu'on a traversé. Il y a Dilgia Mohamed Salem, c'est une chanteuse sahraouite.
Il y a Sahar, c'est une chanteuse du Maroc, enfin qui est marocaine, qui fait de la soul en marocain, tu vois. Il y a Paloma Pradal, qu'on a vu aussi dans The Voice, qui pour les voix andalouses. Voilà. Ça Il y a Narcisse, Narcisse, mon frangin, Narcisse d'Agbetor. va. Narcisse, c'est avec lui, j'ai sorti mon premier maxi autoproduit, hein, Narcisse, Condo contre Narcisse et tout, il était dans Cercle Vicieux. Mais c'est aussi un Béninois, pour moi, avoir sa voix sur le projet, c'était important. Est-ce que, ça c'est mon kiff personnel, est-ce qu'un jour il y aura un morceau Kondo, Daddy Lortie, Roca, Zoxy, Les Sages-Peaux, un délire de ouf comme ça? Ah là, un pussycut. Alors tu vois, autant un morceau de la Clica, pour moi, c'est comme je dis toujours, c'est compliqué. Parce que je le ferai pas, je risque de pas le faire pour les bonnes raisons. Donc il faut, pour qu'il y ait un morceau de la Clica, il faut que je me retrouve dans une situation de kiffance. Pour moi, je sais pas, tu vois, par exemple, Tu parles Chimiste. de la clica, moi j'ai pas parlé de la clica. Non, si tu l'as dit, t'as dit. Non, Bah attends, tu dis j'ai dit Roca, t'as dit Roca, Lorty, t'as dit Sage-Peau, voilà. Maintenant, c'est tu pour ça parles que pas de la clica. j'ai parlé de ça. Donc, mais maintenant, si tu parles d'un pussy cut comme ça, avec. Alors pour le coup, alors si moi dans ces cas-là, je me fais mon Vas-y. petit pussy cut. Je mets Zoxy, Dany, Il. Je mets un Alpha One avec nous. Grave, nouvelle génération en plus. J'aimerais bien genre un gazo pour les refrains. Tu vois, je prends. Moi, si je faisais un pussy cut comme ça, il serait dingue en fait. Ah non, ça je kifferais mon gars. Grave, ça sera un kiff de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Tu Parti. mets un gars de la nouvelle génération qui fait les refrains, tu sais, le truc qui t'ambiance et tout. Tu mets quelques anciens pour le travail de la punchline, du flow et tout. Et puis de nouvelle génération aussi pour le côté burns du truc. Ah, ce serait propre. J'adore. Ça va arriver. Rondo, qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon? Là, on s'était vu en 2016, on est en Ouais. 2022. Donc, 6 ans déjà. si Dieu nous prête vie, dans Ouais. 6 ans, on se revoit. Non, faut qu'on se revoie avant. Faut qu'on se revoie l'année prochaine. Non, Ah. non, non, non. Non, maintenant, je peux plus me permettre de patienter autant entre deux projets. D'autant que j'ai pris du muscle artistiquement. Donc c'est aujourd'hui les projets ils sortent plus. Voilà, je sais plus facilement, plus rapidement les créer. Bon, ce que tu peux me souhaiter, c'est pas à moi qu'il faut le souhaiter. C'est moi, je souhaite que tous ceux qui regardent ton émission soient curieux de ma musique. Parce qu'en fait, tu vois, c'est grâce à des médias comme le tien que ma musique, elle existe encore. Et donc, bien souvent, les gens, ils ne tirent pas toujours le fil. Ils s'arrêtent à un titre. Tirez le fil, allez écouter ce que je. Voilà, partez de ce disque-là, retrouvez-vous. Pour moi, c'est un disque. Tu ne peux pas être africain, tu ne peux pas être afro-descendant et ne pas écouter ce disque. C'est D'accord. un disque important, je pense, pour les afro-descendants, parce que je crois que quand vous finirez d'écouter Plus haut que la Forêt FM, vous vous sentirez fier. Est-ce que tu veux donner tes réseaux sociaux? KOHNDO, Instagram, Ah oui. YouTube, Ouais. Facebook. Je rajouterai NAC sur le Ah, Facebook. NAC! Je Ah oui. rajouterai NAC. Ah oui. On est d'accord. Ah. Franchement, Ah bah ouais. NAC Yous. Yous aussi, putain. Et Mais il va donc, être long ce positif. après, si tu te souviens, Ah le ouais. premier que moi j'ai entendu, c'est Raga James de MC Solar. Et le morceau, il durait pas 2 minutes. Hein. Ah non. Il durait pas 2 minutes. Non, mais là, à fond, moi je Ouais. veux ça. Et même, tu me parles de ça, le freestyle qu'il y a dans Conçu pour durer, il dure aussi. Je sais plus, j'avoue, j'ai plus. Mais les meilleurs morceaux, c'est les morceaux qui sont C'est tout. bons. C'est tout, c'est tout. Les morceaux qui sont. Dernière question, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu connais le remix de Obsolète d'MC Solar? Bien sûr. Qui a dit ça dans le morceau? Dans le remix. Ah, pour moi, c'est Zox. Hein. Ah ouais? Ouais, quand même. Toi, tu penses à qui? Solar. Ah, ouais. En fait, Solar et Théo. moi quand j'écoute ce morceau, Ah, Solar il dit, vas-y, je ramène la ouais. nouvelle génération, ils datent ça, mais comme je suis leur grand, il faut que je leur montre que c'est moi le grand. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Paris ne rit pas sur moi parce que Paris ne...
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, de mémoire comme ça, est-ce que tu peux me sortir un couplet qui t'a marqué dans le français? Pas forcément le tien. Moi, dans le rap français, alors, il y a avant les disques, il y a Poupa Leslie, et ça m'a marqué. À chaque jour que moi je vis, je DJ le jour et je DJ la nuit. J'aime pas les flics et j'aime pas les ennuis. Dans cette société, tout est pourri. Je suis Pouba, maître de cérémonie. J'ai la haine. Écoute bien ce que je dis. J'ai visité tout Paris, toasté dans les boîtes de nuit, dans les sound systems et les rap parties jusqu'à aujourd'hui. Pouh, ça c'est. Enfin, rythmiquement, ça défonce. Un autre plus récent, enfin, moins récent, mais. C'était le couplet de Hill dans J'attaque du mic. Donc Avec du Mike. voici les H2LJ, roi de la Avec le prophétie. flow. Apprécie le Messie te suit, trop sans complexe. Elle défonce là-dessus. Grave. Et peut-être plus récemment, Niska sur Réseau, il est vraiment fort. Je n'ai pas en tête le Ouais. couplet. C'est pas du grand, c'est pas du lyricisme. Mais non, c'est le refrain que je kiffe, que je trouve Ouais. vraiment. Là, dans les couplets, est-ce qu'il y a un couplet qui m'a marqué en rap français? En rap français, bah, c'est quand même Alpha, quand même, qui est ça. Mais j'ai pas. C'est vrai que j'ai plus assez de temps pour Écoutez. écouter, Ouais. réécouter, réécouter et connaître le texte de quelqu'un d'autre par cœur. Je Ouais. n'ai pas une bonne mémoire des textes des autres. Par contre, j'ai un sentiment. Tu vois, je me dis, ah, ce morceau-là, j'aime bien. Ah ouais, ça, j'aime bien. Tu vois? Alors, en tout cas, Kondo, je te remercie. T'as donné tes réseaux. Le projet, il est là, disponible. Donc, donnez de la force, allez l'écouter. Et nous, on se revoit très prochainement. Portez-vous bien et à très bientôt.